Bonjour, donc si vous voulez, parmi l'Observatoire régional de l'environnement et du développement durable est un observatoire régional qui a été mis en place grâce à un accord de partenariat signé entre le secrétariat d'État chargé de l'eau et de l'environnement, donc le département de l'environnement, le conseil régional de la région Tanger-Tétouan et la wilaya de la région Tanger-Tétouan. L'Observatoire régional de l'environnement et du développement durable, si vous voulez, parmi ses missions principales, tout d'abord c'est le suivi permanent d'état de l'environnement à travers des études, des enquêtes que nous allons mener, collecte de données et d'indicateurs environnementaux. C'est ce que nous sommes en train de faire et bientôt nous allons sortir le premier rapport sur l'évaluation intégrée d'état de l'environnement régional. Et ce rapport-là, bien entendu, qui n'est pas tout simplement un simple diagnostic à T égale à zéro, mais c'est un rapport qui va nous donner aussi les tendances environnementales d'ici 2020. Maintenant, ce rapport-là sera suivi, bien entendu, d'un rapport de mission 4, qu'on appelle la mission 4, qui, lui, va nous donner les stratégies et plans d'action à mettre en œuvre au niveau régional pour résoudre les différentes problématiques environnementales. Donc ça, c'est la première mission de l'Observatoire. La deuxième mission de l'Observatoire, c'est la gestion de l'information environnementale. Donc ça, c'est un volet assez important. Donc, gérer l'information environnementale, et Dieu sait la quantité d'informations que nous sommes en train de recevoir. Sachez que nous travaillons sur à peu près 23 thématiques différentes. Donc, des thématiques comme l'eau, comme la pollution atmosphérique, thématiques comme le littoral, les nappes, les ressources en eau, la biodiversité, les espaces protégés, la forêt, transport, le tourisme, la santé, l'éducation, la sensibilisation, la communication. Donc toutes ces thématiques-là sont constituées d'un certain nombre d'indicateurs et de données environnementales. Donc on a à peu près recensé 265 indicateurs environnementaux, et ces indicateurs-là, nous devons les suivre sur tout le territoire de la région Tanger-Tétouan. Sachant que la région Tanger-Tétouan est constituée de 5 provinces et 2 préfectures, donc au total 7 entités territoriales. Et sachez aussi que la région Tanger-Tétouan est constituée de 98 communes rurales et 14 communes urbaines, ça nous fait 112 au total. Donc, la quantité d'informations récoltées avec tous ces paramètres-là nous donne une base de données qui va être installée, une base de données qui va être constituée d'un nombre important d'informations. Et cette base de données va être installée ici au sein de l'Observatoire. C'est ce qu'on appelle le système d'information régionale environnementale. Troisième volet sur lequel nous travaillons, donc qui n'est pas le moins important, c'est le volet aide à la prise de décision. Donc l'Observatoire, bien entendu, est un outil d'aide à la prise de décision à travers les études qu'il mène ou qu'il mènera, à travers les actions, toutes les actions que je viens de citer, et donc nous espérons qu'avec cette mission-là, on va pouvoir sensibiliser tous les acteurs qui ont un impact positif ou négatif sur l'environnement pour qu'ensemble on puisse répondre présent aux outils et aux mécanismes qui vont être mis en place grâce à l'opérationnalisation de la Charte nationale de l'environnement et du développement durable qui avait été lancée par Sa Majesté le Roi. Donc, ceci est grosso modo les axes sur lesquels nous travaillons. Bien entendu, nous avons déjà commencé à effectuer pas mal d'actions au niveau régional, sensibilisation en matière de déchets, de gestion des déchets urbains, déchets solides, en matière de prise de conscience et d'aide à la prise de décision pour mettre en place
les termes de référence et les choses qui sont venues avec la loi 28.00, qui est la loi sur la gestion des déchets, notamment les schémas directeurs provinciaux, préfecturaux de gestion des déchets ménagers et assimilés, schéma directeur régional de gestion des déchets hospitaliers, médicaux, les déchets verts et industriels. Et tout cela, ce sont des champs de travail sur lesquels nous travaillons et nous essayons de travailler aussi avec les élus de la région pour un peu les aider à prendre des décisions, à les orienter. Ça d'une part, nous travaillons aussi dans le volet de la pollution atmosphérique, donc il y a deux études qui se mènent actuellement au niveau de la région Pongé-Tétouan, notamment le cadastre de la pollution atmosphérique de la ville de Tanger et le cadastre de la pollution atmosphérique de la ville de Tétouan. Bien entendu, ça c'est des volets sur lesquels nous travaillons, mais il y a, ça c'est important, c'est tout l'arsenal juridique environnemental qui a été mis en place avec tous les décrets d'application qui sont sortis, et bien tout cela, il y a tout un travail de communication autour qui doit se faire et que nous, au niveau de l'ORED, on essaye de faire à chaque fois où on assiste à des réunions et chaque fois qu'on a une intervention à faire dans une rencontre ou quelque chose comme ça, ou bien quand on a des réunions ici sur place. Donc l'arsenal juridique qui doit être bien expliqué et il faut inciter les décideurs et les preneurs de décision vraiment à s'inscrire dans cette logique-là et essayer de travailler main dans la main avec nous, avec les autorités, avec le secteur privé, la société civile, pour vraiment essayer de mener à terme ce grand chantier pour le bien de la population, pour le bien de l'humanité, et pour vraiment, en termes de développement durable, pour vraiment récupérer un point par-ci, un point par-là du PIB, pour essayer de ne pas les perdre dans la détérioration de l'environnement. Et je vous remercie.